Chers téléspectateurs, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un grand personnage de la littérature haïtienne. Il fut écrivain, poète, avocat, homme politique et diplomate. Il s'agit de Georges Sylvain. Selon les données recueillies, Georges Sylvain est né à Puerto Plata le 2 avril 1866. Ses enfants, Suzanne Comer Sylvain, Madeleine Sylvain Bouchereau, Yvonne Sylvain. À noter, Yvonne Sylvain, la fille de Georges Sylvain, première femme médecin en Haïti. Elle fut également la première femme à être acceptée à l'école de médecine de l'Université d'État d'Haïti où elle est diplômée en 1940. Elle travaillait comme spécialiste en obstétrique et en gynécologie à l'hôpital général de Port-au-Prince. Elle fut aussi une activiste féministe, étant impliquée notamment au sein de la Ligue féminine d'action sociale. Parlant de son éducation, Georges Sylvain fit des études de droit à Paris et de retour en Haïti, il fonda son école de droit. Quelques dates importantes dans la vie de Georges Sylvain. 1909 à 1911, ministre plénipotentiaire de la République d'Haïti à Paris. 1906, prix Auguste Furtado. 1922, l'Union patriotique. Les œuvres principales de Georges Sylvain. Cric, crac. Fable de la fontaine racontée par un montagnard haïtien. Confidence et mélancolie, atelier haïtien. Une collection de sa correspondance, de son journal intime, d'articles et de documents inédits a été publiée en 2 volumes sous le titre « 10 années de lutte pour la liberté, 1915-1925 ». Co-éditeur d'une anthropologie haïtienne publiée en 1904 sous le titre « Auteur haïtien ». Morceau choisi, prix Auguste Furtado de l'Académie française en 1906, avec Dante Bellegarde, Amilcar Duval et Solon Meneau. Lecture, recueil des causeries faites aux conférences post-scolaires du Comité haïtien de l'Alliance française. Le Thompsonisme, réponse aux dépêches fantaisistes de M. Thompson et Gouthier, agents diplomatiques des États-Unis, publié sur le Red Book américain. Enfin, Georges Sylvain meurt à Port-au-Prince le 2 août 1925. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette vidéo. Aimez, commentez, abonnez et partagez la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Thank you.
Thank you.